Ni mon avis, qu'est-ce qu'elle a dit, Loulou? En fait, moi, je suis une vraie clubbeuse. Sortir, j'ai déjà sorti. Mais moi, je suis le seul spécimen, je crois. Je sais pas s'il y en a des comme moi, mais genre, moi, tu me mets à jeun dans une boîte de nuit, je vais m'ambiancer. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà l'ambiance dans ma tête. Ça veut dire que j'ai pas besoin d'alcool, je ne buvais pas d'alcool. Et j'étais la seule qui m'ambiançait, pareil que les alcoolisés. Mais moi, j'étais à jeun. Enfin, bref, sortir pour sortir, je suis déjà sortie. Moi, la seule chose qui m'a stoppée, parce que j'étais une meuf de la night, j'aimais bien les soirées, j'aimais bien, moi je suis très bonne vibe, je m'ambiance, je danse, etc. La seule chose qui m'a freinée, c'est mon accident. Qui m'a stoppé tout ça, c'est mon accident parce qu'il m'a remis à Allah. Si je me serais pas remis à Allah, j'aurais continué, je pense, le monde de la night, donc les boîtes de nuit. Loubna, toute sa vie, elle m'a dit, viens, on va en boîte, toute sa vie. Je disais, non, non, non. Loubna, elle pense que elle, dans sa tête, si je vais pas en boîte de nuit, c'est parce que j'étais mariée. Mais pas du tout. En fait, Loubna, faut qu'elle comprenne ça et c'est ça que je vais lui dire. Moi, si je vais plus en boîte de nuit, c'est de avant mon mariage, c'est après mon accident. Parce que je suis revenue à la raison. Alhamdoulilah, j'ai plus le voile que j'avais dans mes yeux. Alhamdoulilah. Donc, je me vois pas aller dans un endroit de shaitan. Parce que pour moi, c'est un endroit de shaitan. Donc, déjà, si j'y vais pas, c'est pas par rapport à un mariage ABCD. Déjà, de base, c'est par rapport à ma religion, c'est pour moi-même. Moi, je le fais pas pour Allah, déjà, de une. Ensuite, de deux. Si je venais à royaler un jour, que j'ai une baisse de foi énorme. Si j'ai une big baisse de foi. Sinon, bah j'ai pas. Enfin, si je me dis pas, ok, bah hop, je suis célibataire, je vais aller en boîte de nuit, pas du tout. Non, ok, je suis célibataire. Mais non, en fait, je garde toujours Allah avec moi. Je vais pas passer de l'autre côté, c'est mort. Et surtout, 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 ça c'est mon avis. Je pense qu'il faut que je lui explique que c'est pas parce que j'étais mariée, mais c'est plutôt parce que je me suis rapprochée de la religion. Parce que j'ai pas envie qu'elle croie que c'est parce qu'il y avait M, il nous bloquait et tout. Non, M, il a rien à voir. Oui, M, il allait jamais même laisser aller en boîte jamais de sa vie, de toute sa vie entière. Mais c'est surtout la religion qui me. Je peux pas. Jamais de ma vie, je me reverrai. Franchement, j'étais. Jamais. Après, je crie pas au loup directement. Ça se trouve, je vais m'aïen toute seule. Je vais avoir une big baisse de foi et je vais finir en boîte de nuit. Peut-être. C'est pas sûr. En tout cas, c'est pas mon souhait. C'est pas. Je veux juste qu'elle reste avec moi, good vibe. Encore, elle me dit bien, on se fait un restaurant et tout, tranquillou. Ça, tranquille, vas-y, bonne vibe. Restaurant ambiancé, hop, tu manges bien, il y a de la bonne musique, hop, je t'ambiance, t'es assise à ta chaise. Ça, tranquille, ça, y a pas de problème. Mais en fait, la vraie vérité, c'est que je comprends les 50% qui me disent oui, sors, change-toi les idées. Je sais que le monde de la night, quand tu rentres un pied dedans, t'es dedans. Déjà, t'es bloqué. Parce que tu voudrais aller tout le temps. C'est un vice, c'est un chétan. Ensuite de deux. Ensuite de deux, hein. J'explique quelque chose. Le monde de la night, c'est vrai que ça t'enlève les peines de cœur. Dans le sens que t'as vu, tu rentres, ça y est, t'oublies tout. T'oublies tout, t'es en mode bonne vibe, tu te fais draguer par-ci, par-ça, par-ça, ABCD. T'oublies tout, du coup, t'oublies tout. Mais ça, c'est un plaisir éphémère. On peut rencontrer des gens sans sortir en boîte de nuit. Et la personne, elle va te donner plus de respect, je trouve. Après, je sais pas. Propre. Tu vas avoir plus de mal à digérer, ça va te faire plus de mal. Parce que tu vas pas te vider l'esprit. Mais en fait, tu vas rentrer dans le monde de la night. Quand tu rentres une fois dans le monde de la night, c'est un vice, c'est un chétan. Après, peut-être je me trompe. Peut-être je me trompe. Je dois y aller, comme tout le monde me dit, les 50%. Et comme autres 50%, ils me donnent à la raison, ils me disent, mais non, va pas, je sais pas. Franchement, je sais pas. Là, j'ai une fesse à droite, une fesse à gauche. Là, je parlais juste de rentrer dans le monde de la night en étant à jeun. Je parlais pas en étant que tu prenais des péchés. Hein. Alors je parlais même pas de en étant sous alcool dans le monde de la nuit. Sous alcool dans le monde de la nuit, ne l'oublie jamais. L'alcool. Hein. Et je suis pas la meilleure pour faire des rappels. Moi-même, faut me faire des rappels tout le temps. Mais moi, j'ai des baisses de foi. Je remonte, je redescends. Je suis comme ça. Moi, je suis très faible. Mais il faut pas l'oublier qu'une fois. Je le dis parce que là, j'ai parlé de boîte de nuit. Faut pas me J'influence, moi j'influence rien du tout, faut pas aller en boîte de nuit. L'alcool, quand tu rentres en boîte de nuit, tu bois de l'alcool, l'alcool reste dans le corps 40 jours. Donc ça fait un mois et demi. Un mois et 10 jours. Ok. Qui t'a dit que pendant les un jour, l'alcool ne laisse pas passer ta salade? Ok. Comment tu vas faire? Qui t'a dit que tu vas pas mourir dans les un mois et 10 jours? Tu meurs? T'as pas salade? Ta salade t'a passé pas? Tu te considères pas comme musulman, t'es pas considéré comme un musulman, puisqu'il faut prier pour être musulman. Que le monde de la nuit, c'est un chétan, faut pas. Et moi, je suis pas du genre à rigoler des gens qui font ce péché-là, c'est faux. Voilà, de mon plus profond de cœur, je souhaite que ces personnes-là, Allah, il les guide. Mais,
je sais que ce péché, je vais pas rigoler dessus. Parce que ça peut être, ça peut, c'était mon péché d'avant, ça pourrait être mon péché de plus tard. Et j'ai pas si on pêche pour se repentir. Moi, je pense que on fait tous des péchés, mais faut en faire le moins possible. Voilà, moi, ça, c'est ma mentalité. Et j'ai pas envie de repasser le cap. Alors, si un jour, elle me ramène, elle a réussi à me prendre en boîte de nuit, je vais bien lui parler là quand elle remonte. Si elle a bien. Mais déjà, elle fait quoi, elle? Si elle a bien réussi à me ramener un jour, c'est que j'ai une big baisse de foi. Et je sais que je vais, une fois que je suis rentrée là-bas, je vais tout le temps aller. Je me connais par cœur. Moi, je suis pas une menteuse. Parce que moi, je regarde pas le sondage. Là, quand j'ai dit 50%, je regardais pas le sondage. Je regarde les commentaires. Il y a que moi qui a vu sur mes commentaires. Et quand je regarde tous les commentaires, je suis désolée, il y en a plein. Et les commentaires, ils sont divisés. Quand je regarde, il y a plus de commentaires oui. Et après, il y a plus de commentaires non. Pour me faire un rappel, pour voir, ok, c'est quoi votre avis, etc. Après, quand c'est un sondage de là maintenant, je le regarde direct sur place. Mais sinon, je le regarde à chaque fois, 23 heures après. Mais quand c'est, par exemple, je suis en cuisine ou un truc hyper important, que je dois acheter un avis urgent, quoi, je le regarde direct. Mais enfin, bref, là, les 50%, je ne parlais pas du sondage. Je prête mes saules, là. Là, je prête mes saules. Mes saules, il est sale. Je prête mes saules, là. Et il y a tout des tâches, on comprend pas pourquoi. Il y a de belles tâches, elle veut pas partir. Non, je rigole. Par contre, sérieux, je regrette totalement. Et quand les mecs de mon tapis sont venus me poser ma moquette, ils m'ont dit, attention, change la couleur. Blanc, c'est très salissant. Blanc, c'est hyper salissant. Pourtant, j'ai pas de gosse. Hein. J'ai pas de gosse, juste avec mes propres mains. Et Tokyo. Tokyo aussi, il me saline. Enfin, nous deux, quoi. Mais enfin. Trop la moquette blanche, elle a tenu quoi? Ça fait 2 mois que j'habite dans l'appartement. Elle a tenu 2 mois. Il y a déjà des tâches de ouf. Mais quand je te dis de ouf, des vraies tâches. Cousine, je sais pas si les boîtes de nuit en soi, c'est haram. Hein, parce que c'est un endroit où que tu mets de la musique. Oui, certes, il y a des gens qui boivent et tout. Mais si toi, tu bois pas et que tu rentres pas dans ce cercle vicieux, ben voilà, tu vois. Je pense pas que t'es... C'est quoi réellement la différence entre une boîte et un restaurant ambiancé, il n'y en a pas vraiment quand tu réfléchis bien, parce que dans un restaurant ambiancé, il y a de l'alcool aussi. Hein. Donc, moi, je pense pas. Moi, je pense qu'en vérité, c'est juste qu'il faut avoir la tête sur les épaules et pas y aller tout le temps, occasionnellement. Tu vois, ça fait toujours du bien, de la vérité, et sans trop en abuser et pas rentrer dans le cercle vicieux de s'entourer qu'avec des clubbeurs. Après, je reviens sur un truc où quand tu dis que ça ne satisfait pas ta peine de cœur, ça c'est clair. Ça, tu vas t'amuser sur le coup, le lendemain, tu vas te lever, tu auras toujours la même peine de cœur, je te garantis. Surtout quand t'aimes la personne, ton mari, oui, c'est logique, tu vois. Mais on va dire que ça va juste te permettre de t'évader quelques heures. Mais ça ne changera rien du tout à ta peine de cœur ou à ton couple ou à quoi que ce soit, tu vois. Et ça pour tout le monde. T'as vu? Mais moi j'aime trop les mettre. En plus ils me dérangent bien code. Eh, hey, je n'ai pas tout le temps de code. Eh, hey, c'est les meilleurs. Si je vais fermer, c'est des lampes. Je suis en train de faire toutes mes fraises. Par contre, je vais pas me rebrûler comme la dernière fois, c'est mort. Il va pas m'avoir ça. Mais quoi, une revenante, t'étais où? Ça fait 1 heure. Hein. T'as vu ma copine Soukaina? En bas, elle vient me le dire, ouais, elle me l'a dit. Soukaina vient et elle lui dit en bas, Yusra qui descend. Et Loubna, elle lui répond, non mais franchement Loubna, elle faut vraiment que je, c'est pas, elle lui répond, elle est pas là Yusra. Ouais ma cousine, or que je suis dans l'appartement. On va voir Soukaina, j'étais dans l'appartement. La Soukaina, ma cousine. Bref, t'étais où? Parle avec moi. Je crois pas. Oui. Alors m'a dit. T'allah fiha. Mais là, t'étais parti parler avec moi? Oui. T'as raconté? M'a dit. T'allah fiha. T'allah ba'diyatkoum. Il t'a dit de prendre soin de moi? Ouais. Et qu'on devait se prendre soin de nous deux? Je crois pas. Qu'est-ce que. Je vais te faire le boucle. Viens. Tu veux tout? Loulou, elle m'a fait toutes mes boucles. Ça fait du bien. J'aime bien quand. Bon, regarde la boucle qu'elle te fait, s'il te plaît. Professionnel. C'est la marque Golden Girl. C'est une marque. En rentrant ton numéro de suivi, de série, en fait, tu vas avoir la look. La... Elle était belle, elle sera bien, vous savez. Merci.
Puis tout à l'heure, elle toque comme ça. Vas-y, rentre, loulou. Sortir. Bitch club. Non. Oui. Non. Allez, on se rentre. Je t'attends. Hein. Viens. Viens. Attends. Attends. Attends.